Stéphane, c'est avec quelque chose de très particulier, franchement. Et elle a donné le meilleur, malgré elle, je dis bien malgré elle, sur le grand chemin. Elle prouve à quel point c'est une immense actrice. Mais c'est la plus chieuse au monde. C'est la plus folle au monde. Si je dois me demander quel film m'évoque le plus la nostalgie de l'enfance, c'est les films qui évoquent ces lieux marquants de notre passé, de notre histoire, qui à la fois changent avec les années, se dénaturent, voire disparaissent. Si je dois me demander quel film évoque également ces lieux qui, eux, n'ont pas bougé d'un poil, qui sont toujours là, tels qu'on les avait laissés dans nos souvenirs, au détail près, avec la même odeur, odeur qu'on avait oubliée, mais qui nous revient instantanément en mémoire lorsque l'on revient sur nos pas, même 30 ans après. Prenez ce banc par exemple, votre banc, mais qui, entre-temps, était aussi devenu le banc préféré d'autres générations qui vous ont succédé, mais également, et c'est à ce moment-là que vous en prenez conscience, que ce banc était également le banc de générations antérieures. Car nous ne sommes jamais les premiers, et cette réalité du temps qui passe, c'est la vie, tout simplement. C'est la vie que de voir ces lieux qui n'ont pas changé malgré votre absence, alors que vous, vous avez changé. Cela peut être tout aussi douloureux à accepter de voir ces lieux de votre enfance, témoins de vos souvenirs, totalement disparus, que de les voir inchangés. Que votre cabane dans les arbres, par exemple, ait été rasée depuis 30 ans, ou qu'elle soit toujours là, dans son jus, alors que vous, adultes, n'êtes plus le même, et surtout que ceux qui partageaient cette cabane avec vous ne sont plus là, eux non plus. Ils sont ailleurs, quelque part, loin. Ou ils sont toujours là, mais différents. Tout est douleur. Ce temps qui passe, comme de l'eau qui file à travers vos doigts, mais que vous essayez de retenir malgré tout, tout est douleur. Et ces deux films, donc, qui m'évoquent le plus tout ça, sont deux films qui pourtant n'ont strictement rien à voir. Ils sont même à l'opposé. L'un est d'ailleurs un double téléfilm dont nous avons parlé sur Nienko TV. Ça, Il est revenu, de Tommy Lee Wallace, dont nous avions fait une vidéo, téléfilm qui traite davantage de l'enfance que de l'épouvante. L'autre est Le Grand Chemin, de Jean-Louis Huber, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous me direz, c'est également une vidéo que nous avons faite sur Nienko TV, car c'était un passage obligé, tant ce film aura marqué bien des générations, moi compris. Et à l'occasion de la ressortie du film en 4K, dans quelques salles, qui j'espère conduiront à la sortie du film en Blu-ray 4K, j'ai eu le plaisir et le privilège d'avoir le réalisateur Jean-Louis Huber au téléphone, Jean-Louis Huber que je salue puisqu'il regardera la vidéo, et j'ai pu lui poser quelques questions, et il m'aura livré quelques anecdotes très intéressantes et parfois hallucinantes sur le tournage de ce film. Je vais donc vous partager ces échanges que nous avons eus, tout en revenant sur certains éléments de ma vidéo de l'année dernière que je vais du coup compléter. Certains éléments de la vidéo vous seront forcément familiers, mais je vous garantis que j'ai quelques informations importantes que je n'avais pas, notamment sur Anémone. Donc restez bien jusqu'au bout, ça en vaut la peine. D'abord, posons les bases pour ceux parmi vous qui n'ont pas vu Le Grand Chemin. Le Grand Chemin raconte les souvenirs d'enfance de Jean-Louis Huber, qui, sous les traits de Louis, un petit Parisien de 9 ans, est contraint de passer un mois à Rouence, près de Nantes, durant les vacances d'été, chez Marcel, l'ami d'enfance de sa mère, qu'il ne connaît pas, alors que sa propre mère doit accoucher durant ce temps. Voilà. Oh, maman, je veux pas y aller. S'il te plaît, Louis, ne recommence pas. Bon, c'est-tu que tu pleures de venir en vacances, bonhomme ? Elle reviendra le chercher une fois que son petit frère ou sa petite sœur sera né. Mais ne connaissant ni Marcel ni Pelot, son mari pour le moins bourru et inquiétant,
tout du moins au premier abord. Il sympathise avec la voisine, Martine, 10 ans, presque ennemie, avec qui il va faire les 400 coups. Mais durant son séjour, il va se rendre compte que Marcel est malheureuse, que Pelot se réfugie dans l'alcool et que le couple ne s'aime plus. T'as pas le droit, t'es un salaud ! Non, je te tiens, madame. Hein, je te tiens, madame. Eh ben vas-y, sœur, hein. Moi, j'y tiens pas tant que ça, la vie que tu m'as faite. Il ne tardera pas à découvrir le secret qui déchire le couple. C'est à la fois un film de vacances, un film sur l'enfance, dans la veine de Jeux interdits ou de la guerre des boutons, un récit initiatique, une comédie dramatique. On y rit, mais on y est aussi très ému de par le duo Anémone-Richard Boringer, qui est absolument immense et, à juste titre, récompensé chacun d'un César, qu'Anémone n'ira même pas chercher, même s'ils n'étaient pas les premiers choix du réalisateur, mais on en parlera. Mais le film est aussi autobiographique, en tout cas en partie. Car quand on sait que Jean-Louis Huber raconte de vraies vacances, qu'il a passé à Rouens, le village que l'on voit dans le film, qu'il a réellement vécu chez Marcel et Pelot, qui sont de vraies personnes, qu'il a réellement connu Martine, qui vit réellement à Rouens de nos jours, qu'il y est retourné plusieurs fois, bien au-delà de l'histoire du film, il y aura d'autres étés à Rouens que l'on ne verra pas. Quoique, eh bien ça fascine d'autant plus, vu qu'on se pose la question sur la distinction entre ce qui est réel dans le long métrage de ce qui a été scénarisé pour les besoins du film. Par exemple, la scène du toit d'église ne s'est pas réellement passée comme ça dans la genèse de Jean-Louis Huber. On se pose la question de jusqu'où va la fiction et jusqu'où va la réalité, parce qu'on sent que certaines choses devaient être vraies, et d'autres, comme le toit de l'église, où on se pose la question de est-ce que c'est rajouté ou est-ce que vous avez vraiment... Je suis scénariste hein, quand même, donc à la fois je pars d'éléments très largement autobiographiques, et à la fois, évidemment, c'est comme une réplique pour qu'une réplique qui est sortie du langage commun, observée, entendue chez les gens, la rendre culte, c'est lui donner quelque chose en plus. Voilà, c'est un travail de dialoguiste, et pour le scénario, c'est la même chose. On est monté par le clocher de l'église en catimini, mais on s'est arrêté sur le premier palier, vous savez, à la sortie du clocher. Avant l'échelle. C'est déjà très, très vertigineux, hein. L'histoire qui continue, ça, c'est le scénariste. On montait là, mais on n'allait pas jusqu'à cet équilibriste, ce danger de d'aller jusqu'à la croix pour pisser dans les gouttières. Ça c'est un ajout. C'est une invention. Mais c'est bien parce que ça dynamise et ça dramatise l'histoire, forcément. Si vous voulez avoir l'anecdote à propos de ça, moi j'ai le vertige hein, déjà, donc c'était vraiment galère. Hein. En tout cas, quand je parle du vertige dans le film, du petit garçon, c'était déjà le cas, j'avais le vertige, j'ai toujours eu le vertige. Mais là, il fallait bien que je monte là-haut pour faire tourner mes deux enfants. Et moi, j'étais sur le praticable, en fonction de l'axe, le praticable changeait de côté du toit. Et moi, je vous cache pas, j'étais plutôt à plat ventre sur le praticable plutôt que debout. Par contre, Antoine et Vanessa, les deux enfants, eux, avaient été entraînés depuis plusieurs mois par un cascadeur. En fait, ils avaient été entraînés en forêt de Fontainebleau à faire de la varap et tout. Ils étaient très accoutumés, absolument pas sujets au vertige, ça les faisait rigoler. Mais au moment du tournage, on tourne plusieurs plans, etc. Et à un moment, on m'appelle Partoki et en bas, le directeur de production me dit « Jean-Loup, faut que tu descendes rassurer la population, parce qu'un tournage, évidemment, dans un village, il y avait plein de gens sur la place, et de leur point de vue, c'était deux silhouettes d'enfants qui marchaient sur une arête de toit, et ils trouvaient ça scandaleux, il commençait à y avoir des gens qui trouvaient c'est honteux de risquer la vie des enfants et tout. Oui, j'imagine. Voilà, mais j'ai dû descendre et leur expliquer que non. Non, ils risquaient rien du tout, parce qu'ils avaient sous le short et la robe un harnais exactement comme des alpinistes ou des gens qui font de l'escalade en toute sécurité, avec un filin d'acier qui courait avec un gaffeur sur la longueur de leurs jambes.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient dévisser, effectivement, mais de la longueur de leurs jambes, pas plus. Vu d'en bas, les gens pensaient que j'allais risquer la vie de mon fils et de cette gamine. Ça peut se comprendre, parce que c'est vrai que le plan où, le personnage d'Anemone se pose la question de ce qu'ils font... Oui, c'est incroyable, ce plan. C'est vertigineux, évidemment, mais c'est imparable. Oui, non, ça rend très bien. Et sauf qu'à l'origine, le producteur ne voulait pas qu'on tourne sur le toit de l'église. Et moi, je me suis battu, j'ai insisté pour que ça puisse se tourner comme ça. Et c'est incomparable. Enfin, si j'avais tourné ça, au sol, ça n'avait... Ça n'aurait pas eu d'impact. Ça rend sans doute le succès du film et son héritage encore plus beau, mais Le Grand Chemin n'était pas le projet en cours du réalisateur qui a vu son film Sanguine annulé 15 jours avant le début du tournage. Et puis j'ai écrit un scénario qui me tenait beaucoup à cœur, qui était beaucoup plus... où je m'engageais bien plus, que j'ai eu un mal de chien à faire, que j'ai d'ailleurs pas fait. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, bon, faire du cinéma, pourquoi faire ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que je peux dire avec ça ? Parce que j'ai toujours été un peu tiraillé par une ambition inaboutie qui était de devenir écrivain. Alors j'ai douté et puis je me suis réfugié dans une maison que j'avais achetée à la campagne qui s'appelle Le Grand Chemin, le lieu dit Le Grand Chemin. Voilà, c'est là que j'ai écrit en partie, en tout cas, le film qui porte ce titre-là. Et là, je me suis dit, voilà, j'écris cette histoire, ce scénario, j'y mets ce que j'ai finalement envie de dire en ce moment. Et si personne ne veut le produire, si personne ne veut en faire un film, j'en ferai un livre et je pense que je ne ferai plus de film, je deviendrai écrivain, voilà. Et le sort du film en a décidé autrement. Voilà, c'est aussi bête que ça. Pour moi, ça va. Eh ben, je parfait. Suis au Grand Chemin, pas en Bretagne, mais dans le Perche Sartois. Donc à Rouen, s'il n'y a pas de grande route Il n'y a, ou... a pas d'arrêt du car qui s'appelle le Grand Chemin. D'accord. Ça s'appelait la Chausselerie. Et ça ne fait pas un titre très oui. sympathique. Parce que ça m'a donné à la fois le titre et je l'ai écrit encore une fois en partie ici. Voilà. C'est une super origine d'histoire, ça. Malheureusement, pas trop le cas. Hein. Oui, j'ai vu qu'ils ont retiré le buisson. Là. J'avais vu une vidéo de vous où vous étiez devant et ils avaient tout rasé. Ils ont coupé les deux arbres cabanes à l'entrée du cimetière et c'était un vrai crève-cœur. Ah, ça devait faire quelque chose. C'était un an après le succès de la sortie du film et j'ai reçu une invitation du maire de Rouen qui me demande de venir inaugurer la rue du Grand Chemin. Je ne pouvais pas faire autrement que d'y aller. J'y vais donc. Marcel était toujours vivant, ce qui plus est, Pelot était décédé, mais Marcel était toujours vivant. Donc voilà, j'arrive à Rouen et j'avance en voiture jusqu'à la maison et au cimetière, où je suis attendu avec le maire, avec son écharpe tricolore. Et là, je suis mais catastrophé, quoi. Le panneau avec la rue du Grand Chemin est planté à la place de l'arbre. Voilà. Ah, ils n'ont pas compris, en fait. Pour couper les arbres, pour mettre le poteau rue du Grand Chemin, j'étais consterné. Mais c'est ça qui m'avait perturbé au début, c'est que j'ai vu le documentaire où vous retournez sur les lieux il y a quelques années, et où il y a un panneau, le Grand Chemin, effectivement, à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il y avait toujours un lieu là-bas qui s'appelait comme ça, mais en fait, ils l'ont rajouté à cause du film, d'accord. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. D'accord. Absolument. Ils ont cru me rendre hommage, mais moi j'aurais préféré qu'ils gardent les deux arbres à cabane pour les générations d'enfants qui suivaient. Vous étiez dans ce buisson-là quand vous étiez petit avec Martine, dans celui-là ? Évidemment, bien sûr. Le grand jeu consistait à suivre les enterrements qui passaient devant les branchages. Nous, on était cachés à l'intérieur et c'était le jeu favori de Martine que de rigoler des gens qui pleurent ou certains qui ne pleurent pas vraiment, il y en a même qui rigolent. Hein, donc tout ça plaisait beaucoup à Martine. Et puis, elle m'a initié à ça, oui, en fait, de regarder les enterrements et trouver ça presque normal. Mais drôle, en tout cas. Mais la maison
en intérieur dans laquelle on voit les vacances de Louis, est-ce que c'était vraiment la maison de Marcel et Pelot ou est-ce que vous vous êtes adapté à une maison plus pratique pour y poser vos caméras? On a tourné dans une maison avec des pièces très petites, très exiguës, et on a tourné dans la maison, y compris dans l'escalier, c'était acrobatique, les plans où Pelot se ramasse quand il est bourré. Oui. C'était des acrobaties pas possibles entre la caméra, l'ingé son, le perchman. C'était vraiment absolument acrobatique. Et le jardin, c'est pareil. On a tourné tout dans la maison, les chambres, les pièces. Et le jardin, c'était étroit comme un couloir. Mais avec un charme, voilà, un jardin comme ça, ça ne se reconstitue pas. Ou alors avec des gros moyens, mais... Non, on a tourné dans la maison et le jardin de Marcel. J'ai vu quelqu'un qui est allé en pèlerinage là-bas, parce qu'il y a beaucoup de fans du film qui vont vraiment sur place, parce qu'ils veulent voir aussi. Et il paraît que la cabine de toilette du jardin est toujours là. Ça a été la surprise du chef, si j'ose dire, parce que j'avais été invité par François Nantes à retourner sur les traces de mes crimes, entre guillemets, à la fois pour la Reine Blanche à Nantes et puis pour le Grand Chemin à Rouen. Encore une fois, moi, le fait que ces deux arbres cabanes aient été coupés, c'était vrai. Ouais, presque un vrai chagrin. Mais j'ai fait le tour de la même manière. J'étais déçu quand j'ai vu que la vigne vierge qui couvrait toute la façade de la maison de Marcel avait été tombée d'un coup au moment de tempête. Donc ça aussi, ça m'avait attristé. Mais par curiosité, j'ai fait le tour vers la porte que la gamine franchit un moment pour surprendre Louis avec ses fidèles. Oui. Et à ma grande surprise et à mon grand bonheur, le jardin est ridicule aujourd'hui. Ça a été rasé, il n'y a que dalle. C'est même pas entretenu d'ailleurs. Je ne connais pas les nouveaux propriétaires, peu importe. Mais la cabane, les toilettes, si on peut dire. Les cabinets, comme on disait autrefois dans le jardin. Les cabinets sont toujours là. Oui. Ah, ça, c'est sympa. Amusé, on va dire. Au départ, c'était Coluche et Josène Balasco qui étaient envisagés pour les deux rôles. Absolument, oui, parce qu'ils étaient plus proches des physiques réelles de Marcel et Pelot tout bêtement. Il se trouve que j'avais tourné La Spala avec Josène Balasco, voilà, oui. C'était assez proche. Mais il se trouve aussi, alors je ne sais pas, peut-être qu'elle travaillait à son propre film, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, elle n'a pas voulu faire le film, ou elle ne pouvait pas faire le film. Et Coluche n'a pas donné suite. Oui, malheureusement. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il est mort cet été-là. En plus, Coluche est là où il a eu son accident. Bah oui, mais s'il avait dit oui, il aurait été en tournage avec moi. C'est horrible, mais c'est la réalité. Si Coluche m'avait dit oui, il aurait été en tournage, au lieu de se planter un peu. Mais moi, je regrette pas. Pardon, évidemment, c'est dramatique que Coluche soit tué. Mais ça m'a permis d'aller chercher ailleurs et de trouver ce coup. Extraordinaire, sans brager Anémone, voilà. C'est sûr, j'imagine personne à leur place. On n'imagine pas aujourd'hui le Grand Chemin autrement qu'avec ces deux acteurs et actrices, hein, franchement. C'est comme de la musique pour moi. Mes dialogues sont très écrits. J'y tiens et je demande à ce qu'on les respecte à la virgule près. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir écrit des dialogues très précis, minutieux. Et donc, quand je dirige mes comédiens, ou plutôt pendant la prise, j'ai toujours dit qu'effectivement, si vous fermez les yeux, à la limite, au son, vous entendez que c'est la bonne prise. Quand la musique est là exactement, à la note près, au rythme près, etc., même si vous ne regardez pas le combo, puisque à l'époque, il n'y avait pas de combo, mais aujourd'hui, il y a des combos, on suit les prises sur un écran, ce que je trouve nettement moins intéressant que d'être à la caméra ou au pied de la caméra. Franchement, moi, quand c'est passé de l'un à l'autre, ça m'a paru très désagréable. Moi, j'ai eu l'impression de trahir les comédiens, en fait, mais bon. Et c'est comme ça, c'est passé comme ça, et tout le monde le fait aujourd'hui, mais bon, il y a des avantages ou des inconvénients, je sais pas. Moi, je préférais être tout près des acteurs que je dirige. En tout cas, c'est ce que je faisais dans mes premiers films, et c'était le cas aussi sur Le Grand Chemin. Encore une fois, quand vous écrivez un scénario aussi minutieusement que ça, pour moi, c'est exactement comme de la musique. Enfin, c'est pareil, c'est comme d'être le compositeur et le chef d'orchestre aussi. Sur la mise en scène de cette partition. Voilà. Vous vous dites que la prise est bonne et vous êtes pleinement satisfait quand ça correspond à ce que vous avez écrit et à la partition.
Et est-ce que malgré ça, il y avait des possibilités de la part de vos acteurs d'apporter autre chose ou de vouloir retoucher quelques dialogues, ou c'était vraiment tout le film à la virgule près tel que vous l'aviez conçu? Alors, je ne suis pas complètement fermé. Si quelqu'un me dit « Écoute, ce mot-là, je n'arrête pas à me le mettre en bouche » ou je ne sais pas quoi, il y a toujours une raison au fait que, soi-disant, un acteur ou une actrice ne peut pas dire ce mot-là ou cette phrase-là telle qu'elle a été écrite. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je leur explique juste à quel moment il doit y avoir un temps ou une respiration derrière cette virgule. Et je précise l'intention de manière à ce que, au bout du compte, je ne sais pas, je prends pas la réplique à mon compte, je ne me permets pas de faire ça. Ce serait ridicule, c'est pas ça la mise en scène. Mais par contre, trouver les bons arguments pour expliquer pourquoi ça a été écrit comme ça, pourquoi ce mot-là a été choisi plutôt qu'un autre, ça c'est facile à faire quand quand on a des bonnes raisons de l'avoir fait de cette manière-là. Et si on prend le temps de lui expliquer où est la respiration, où est le temps qui est marqué avant de prononcer ce mot-là, après ça passe tout seul, franchement. J'ai jamais eu de problème et de devoir changer un dialogue ou un mot, jamais. L'idée d'une suite, elle m'est venue et elle a été écrite, cette suite. Ah. Elle a été, ben oui, évidemment, mais c'est pas moi qui en ai été à l'origine de l'idée. J'ai reçu un jour un coup de téléphone d'un journaliste de l'Express, des pages culturelles de l'Express, qui créait une nouvelle chronique, qui demandait à des cinéastes dont l'un des films avait été un énorme succès et devenu cultissime, donc demander à chacun de ces cinéastes d'imaginer une suite, l'idée de que sont-ils devenus, en fait, quoi. Et donc, à la demande du journaliste, j'ai écrit comme une nouvelle, on vous donne un certain nombre de mots et d'espace pour vous exprimer. Mais donc, j'ai écrit une suite du Grand Chemin en 3 pages, qui est disponible, si ça vous a plu. Ah oui, complètement. Ça me fait penser, est-ce que vous avez vu le remake qu'ils ont fait de votre film qui s'appelle Paradise, il me semble? Oui, je l'ai vu, et c'était à pleurer. Enfin, à pleurer ou à rire, je ne sais pas. Ah, moi, j'ai pas été au-delà de la bande-annonce, j'ai pas réussi. Je ne sais pas comment on pense, comment on réfléchit, comment on vit les sentiments des Américains, j'ai jamais compris. C'était ridicule, c'était juste ridicule. Disney s'est fendu de racheter les droits du Grand Chemin pour en faire un remake, et quand j'ai vu le film, j'en revenais pas. Si vous avez dans le Grand Chemin une scène où Pelot emmène Louis à la pêche, et où il y a tout un discours philosophique de la part de Pelot, initiatique, on a envie de dire, envers ce petit garçon, il parle du paradis, il parle de sexualité. Tu voudrais qu'elle soit comme ça, Marcel? Ça quoi? Comme les gourmandes que tu disais tout à l'heure. Ben, le pire, c'est qu'elle était comme ça. comment il s'aimait, Marcel, avant. Oui, c'est une scène clé. C'était trop en revenant du bal. Il s'arrêtait, il faisait l'amour dans l'herbe avec les marguerites en dessous et le ciel au-dessus de la tête. Il n'y a rien de mieux pour trouver que le monde est joli. Souvent, ça pressait tellement qu'on s'arrêtait au bord de la route. Pour s'embrasser? C'est ça, pour s'embrasser. Puis de fil en aiguille, ça se terminait sur les marguerites ou sous la bâche. Tu l'embrassais par terre? Tu verras. Tout ça, ça a été remplacé dans la version américaine de Disney par une pêche au gros, vous savez, avec des gros bateaux qui vont très vite et des gros moulinets pour pêcher le thon ou je ne sais quel espadon. Et il n'y a rien de philosophique ou d'initiatique, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une scène de bateau, donc ils ont fait une scène de bateau, mais ils n'ont pas compris le fond de la scène. Quoi. Ou alors ils n'ont pas considéré que c'était compréhensible pour les Américains, je ne sais pas. Comment qu'il est mort, Jean-Pierre? C'est Marcel qui t'en a parlé? Non, je vais y aller après l'enterrement. Il devait naître presque en même temps que toi, tu sais. Il est pas né? C'est pas toujours facile, un accouchement. Et puis avec un vieux tout vif à sa mère.
J'avais toujours vu ma mère faire ça à la maison. Elle n'avait pas la clinique en ce temps-là. Alors il est mort ? C'est pour ça qu'elle est tout le temps fâchée avec toi, Marcel ? Ouais, c'est pour ça. Et puis pour le reste. C'est pas simple, les histoires des grandes personnes. C'est pas simple. Étrange. Mais j'essaierai de le regarder jusqu'au bout, cette fois par curiosité quand même, parce qu'au moins je pourrais peut-être rire un peu. Oui, ça sûrement. Mais non, c'est pareil quand, la scène où Marcel va chercher Pelot à la brouette, quand Pelot est ivre-mort, bah, le l'ivresse de Don Johnson, c'est dans un bar, vous savez, à l'américaine, là. Comme ça, les bars, là, ça, il picole, il est bourré, et il rentre avec son pick-up. Il rentre bourré avec son pick-up et c'est... personne va le chercher, hein. Il rentre tout seul. Le seul accident, on va dire, en arrivant à la maison, c'est que il renverse la poubelle ou la boîte aux lettres, je ne me souviens plus, en arrivant trop vite avec son pick-up devant la maison, c'est tout. Ils n'ont rien compris, quoi. Ils n'ont rien compris au film. Ça n'a pas du tout marché, je pense. Rien rapporté parce que je me suis fait voler comme au coin du bois par mon producteur chéri. Flash Film, Jean-François Le Petit, qui avait pris soin de créer une autre structure de production sur laquelle il avait basculé les droits de rachat pour des remakes éventuels. La transaction entre Disney et Flash Film ne s'est pas faite sur Flash Film, mais sur Selena Audiovisuel. Et moi, j'ai rien touché. Enfin, à peu près l'équivalent de 10 000 euros, on va dire, à tout casser. Alors que vous l'avez quand même écrit et réalisé, c'est vrai que c'est scandaleux. Mais oui, non, mais c'est les producteurs français aussi. Malgré toute l'amitié que je garde à Jean-François Le Petit, par ailleurs. Ça, c'est un mythe. C'est simplement qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre comment fonctionnent les enfants. Mais si vous observez les enfants, si vous les aimez, si vous savez ce qui les motive, mais c'est pas compliqué. Je veux dire, les enfants, c'est exactement comme les adultes. Vous avez des gens qui sont naturellement des comédiens d'instinct. Voilà. Pas besoin d'avoir fait 10 ans de formation. Vous les trouvez, même quand vous cherchez dans les figurants ou les petits rôles sur place. Il y a plein de petits rôles dans Le Grand Chemin où c'est des gens du village. Qui sont pas des comédiens, mais ceux que j'ai pris, c'est ceux qui naturellement sont des comédiens. Voilà. Quand vous les mettez en situation et que vous leur donnez un texte qui leur ressemble, il n'y a aucun problème. Les enfants, c'est pareil. Il y a des enfants, vous faites des castings, vous leur faites faire des essais. Il y en a, c'est affligeant, c'est pitoyable. D'autres, d'emblée, vous les avez. Enfin, ils sont là, quoi, c'est clair. Donc c'est facile de diriger les enfants. Vraiment, c'est facile. C'est plus simple, en tout cas, que certains comédiens ou certaines comédiennes. Oui, j'imagine. J'ai jamais eu de problème à diriger les enfants, alors qu'il m'est arrivé d'avoir des problèmes à diriger des adultes célèbres. Avec des égos, que les enfants n'ont pas. Avec des égos, oui, c'est le mot, c'est exactement le mot. Et est-ce qu'il y a des scènes que vous n'avez pas retenues ou des scènes coupées qu'on pourrait peut-être retrouver un jour dans le Blu-ray 4K en espérant qu'on l'ait ? Non, il y avait deux scènes qui étaient écrites que j'ai même carrément pas tournées parce que, en fonction du tournage de ce que vous voyez, il me reste tous les soirs. Hein, donc, à la fois, moi j'ai toujours eu la construction de mes films dans la tête du début jusqu'à la fin, mais vous vous rendez compte aussi. Et c'est le travail aussi au montage, vous vous rendez compte de ce qui ralentit ou au contraire de ce qui donne du rythme. Voilà, ça c'est un travail extraordinaire, le montage. Je ne comprends pas les réalisateurs qui vont voir leur monteuse ou leur monteur à la fin de la semaine pour voir où ça en est. Moi je monte mes films 10 heures par jour, de 10 heures du matin à 10 heures du soir. Parce que c'est mon film, parce que c'est ma vision. Et un menteur, une menteuse, j'écoute ce qu'il a à me dire, ce qu'il a à me proposer, mais ça reste votre film, pas le sien. C'est ma vision qui prime, évidemment.
Et un mot aussi pour sur la musique de Georges Granier, qui est extraordinaire, hein, qui est sur ma playlist. Et oui, c'est magnifique. La musique de Georges est superbe. Je ne pouvais pas espérer mieux et j'étais ravi de cette rencontre. Je ne me rappelle plus qui m'a fait rencontrer Georges Granier. Je serais bien incapable de m'en souvenir. Mais on s'est trouvé tout de suite. Vraiment, on s'est trouvé tout de suite. Et moi, j'accorde énormément d'importance à la musique. Vraiment. À chaque fois, moi, j'ai plutôt des fidélités par rapport aux équipes, aux techniciens, aux comédiens aussi. Autant que faire se peut. Mais par rapport à la musique, pour moi, chacun de mes sujets doit correspondre à une musique particulière. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas retravaillé avec Georges Granier. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, dans tous mes films, j'ai voulu une musique particulière. Je pourrais vous dire ça de n'importe quel de mes films sur Mars. Ça ne pouvait pas être un compositeur contemporain qui fasse la musique. Pour moi, c'était évident que la musique devait être de Shostakovich et de Bruch, parce que c'est deux compositeurs magnifiques, mais qui ont fait la guerre de 14. Ils sont allés, ils se sont battus dans les tranchées. Leur musique en est empreinte, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça que je choisis à ce moment-là, je n'ai pas été chercher Georges Granier ou un autre compositeur contemporain. Je ne pouvais que mettre pour mon film Shostakovich et Bruch. Voilà. Donc on peut dire que vous intégrez la musique quasiment à votre écriture. Bah oui, regardez par exemple dans À cause d'elle, vous avez vu À cause d'elle ou oui. Quoi? Oui. Bon, bah À cause d'elle, vous avez quand même, j'ai le culot de mélanger Schubert, hein. Oui, c'est vrai. Avec François Hardy, Johnny Hallyday et Chaussée Noire. Anémone. Pourquoi Anémone, c'est sans doute la plus grande actrice que j'ai eue à diriger. Même après avoir travaillé avec Isabelle Adjani, même après avoir travaillé avec Catherine Deneuve. Anémone, c'est avec quelque chose de très particulier, franchement. Et elle a donné le meilleur, malgré elle, je dis bien malgré elle, sur le grand chemin. Elle prouve à quel point c'est une immense actrice. Mais c'est la plus chieuse au monde. C'est la plus folle au monde. Voilà, c'est son âme, ses cendres, tout ce que vous voulez. Mais cette fille est folle, il faut le savoir. Alors aujourd'hui, je m'autorise à le dire, et je suis même autorisé à le dire bien avant. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Elle a fait des procès à tous les membres du Splendide. Oui. Mais oui, parce que... Encore une fois, bon, elle est fille de deux psychiatres. Alors ça explique peut-être les choses, j'en sais rien. Mais cette fille est géniale et givrée. Quand même, il fallait le savoir. Et quand vous dirigez Anémone, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce que elle vous donne des choses extraordinaires. Bon, avec vos mots, avec votre sujet, avec vos situations écrites, mais elle y amène quelque chose de franchement rare. Il suffit de revoir le concert et d'observer attentivement. Son jeu est extraordinaire quand elle veut bien jouer, ce qui n'est pas le cas tous les jours. C'est ça le problème de diriger Anémone sur un film. Elle s'est mise en tête qu'elle n'était pas suffisamment payée en préparation, hein, je parle même pas du tournage. Un jour, mon directeur de production m'appelle, me dit « Jean-Loup, on est dans la merde parce que Anémone ne veut pas commencer à tourner le film si on repeint pas son appartement. » Je dis, mais allez, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il me dit oui, c'est complètement idiot, mais elle demande que l'équipe de déco lui refasse son appartement avant le tournage. Et donc, ça c'est Anémone, vous comprenez? Et donc évidemment que personne, ni mon chef décorateur Thierry Flamand, ni le producteur, ni moi-même. Voilà, mon équipe déco, elle est là pour travailler sur un village entier, donc elle a autre chose à faire que d'aller repeindre l'appartement d'Anémone. Mais ça s'est réellement passé. Et donc, à partir du moment où on a refusé d'aller lui peindre son appartement, le chef déco a dit, écoute, s'il reste des pots de peinture, on ira lui badigeonner son truc à la fin, mais pas avant. Bref, donc Anémone s'est complètement braquée. Voilà, et elle est venue sur le tournage parce qu'il y avait des contrats quand même, pour qu'elle est arrivée. Mais comment vous dire ça? Premier jour de tournage d'Anémone, premier plan, voilà, première prise, formidable, elle est formidable. Et donc, moi, je m'avance vers elle en lui disant, c'était à l'époque où voilà, on
tourner avec de la pellicule, et pour les assurances, il fallait deux prises obligatoirement. Donc je fais les rades en lui disant, écoute, tu changes rien, c'était magnifique. Elle me regarde même pas, elle fonce vers l'équipe, et elle dit, bon, bah, pour aujourd'hui, vous en avez eu assez pour votre argent. Et elle se barre. C'était ça, le tournage avec Anemone. Faut le savoir, quand même. C'est incroyable. Ben oui, mais encore une fois, je vous dis, j'ai une immense admiration pour la capacité d'actrice qu'elle a quand elle veut bien tourner. Mmh. Mais elle peut aussi vous faire chier et vous niquer une matinée entière, juste parce qu'elle a envie de vous emmerder, parce que vous ne lui avez pas dit oui quand elle demandait à ce qu'on lui refasse son appartement. C'est ça, Anemone. Puis à 10h du matin, elle a déjà fumé 3 ou 4 ou 5 pétards. Ah, ça aide pas. Je dénonce pas. Je dis la complexité qu'il y avait à travailler avec elle, et qui est géniale. Elle tourne dans le jardin avec le gamin dans le carré de fraisier, elle est en train d'étendre le linge, en plein milieu de la prise, je ne savais pas pourquoi, elle met le rat sur sa tête. Mais elle ne le fait pas une fois. La première fois, ça fait rigoler tout le monde, mais vous recommencez, vous relancez la machine, elle le fait 3 fois de suite, elle a décidé de vous faire chier. Et donc elle le fait. Et si vous voulez continuer, ben vous pouvez pas. Donc vous prenez la décision d'avancer la coupure déjeuner d'une heure, en sachant qu'elle allait rigoler, picoler, et qu'elle oublierait pourquoi elle a fait chier le matin. Ce qui se passe l'après-midi. Elle est formidable l'après-midi, et quand elle est formidable, faut enquiller les plans à toute vitesse, parce que vous savez pas à quel moment elle va péter les plombs. La scène où elle emmène le gamin la première fois à la messe le dimanche, machin, il y a un plan qui est quand même compliqué à mettre en place, avec un panoramique où vous voyez des jeunes filles à vélo, où vous voyez Pelot avec ses potes qui rentrent au bistrot, des vieilles dames qui montent à l'église, les marches, une voiture qui se gare, gna gna gna. Il y a toute une mise en place complexe, et le plan s'achève sur Anemone qui monte à l'église en tenant la main de Louis. Oui. Et au moment où on arrive sur Anemone, elle s'avance vers la caméra et hop, elle met son missile devant la figure pour niquer la prise. Oh là là. Il y a le travail de tout le monde, puisqu'il y a tous les figurants qui oui, doivent tout recommencer. C'est incroyable. Elle s'en fout. Non, non, encore une fois, elle avait décidé que le film ne serait jamais terminé. Elle avait décidé que ça allait être cata et qu'on allait la laisser repartir. Ça doit être pour ça qu'elle n'a jamais été chercher son prix sur scène, même si elle y mais a oui, été. Mais oui, parce qu'elle est têtue, plus comme Bourrique. Elle est géniale dans Le Père Noël est une ordure aussi. Dans un style, et elle est géniale dans un rôle dramatique et sublime dans Le Grand Chemin. Donc voilà, ça ne l'a pas empêchée d'être folle. Ça montre qu'elle pouvait tout faire. Elle peut tout faire, elle pouvait évidemment, c'était une actrice dans l'âme, et malgré elle, c'est-à-dire qu'elle est tellement actrice que quand elle a oublié de faire chier, ou les raisons de faire chier, c'est plus fort qu'elle, elle est merveilleuse, voilà. Et quant à la machine à coudre, c'est Anemone tout craché, ça. On tourne, elle est fabuleuse, elle accélère la pédale de la machine pour faire chier, empêcher Pelot oui, d'écouter la radio. Et bon, voilà, moi je suis ravi de ce qu'on a fait, on a la scène, c'est formidable, machin et tout. Sauf que le lendemain, elle va au Rush, elle venait jamais au Rush. Faisait les rushs dans la salle des fêtes de Reims, qui avait été aménagée. Ce jour-là, va savoir pourquoi, elle vient voir les rushs. Elle se met à gueuler dans le fond de la salle. « Ouais, enculé, t'as vu comment tu m'as fait moche ?» Bon, c'est Anemone, elle me traite enculé parce qu'elle se trouve moche. Et donc, je sais que je vais passer la soirée chez elle à essayer de lui expliquer pourquoi c'est comme ça qu'elle est formidable. Mais il faut lui expliquer. Et elle s'est barricadée derrière la porte, en disant « fous le camp, machin et tout ». Je lui dis « mais Anne, c'est pas compliqué, t'es géniale dans cette scène, tout simplement parce que n'importe quel personnage, quand il exprime des sentiments haineux, de méchanceté pure, ça le rend pas beau, ça la rend pas belle. C'est évidemment que à ce moment-là, le personnage est forcément laid, qu'il ait des lunettes ou pas. » Enfin, je veux dire, voilà, il n'y avait même pas à discuter avec elle quand elle était partie dans ses délires. C'était pas la peine. Elle attendait que ça passe, c'est tout. Mais je comprends pourquoi les enfants s'y reposent pour faire tourner finalement. Quand vous me dites ça après, oui, je comprends mieux. C'est largement plus reposant, évidemment. Mais à la fois, encore une fois, elle a tout fait. Ce qui a sauvé le film, c'est que moi je suis têtu. J'étais chez moi. Hein.
dans le village, qui était mon village, la maison de Marcel. Quelque part, j'étais plus fort qu'elle, voilà. Et comme je ne lâche jamais rien, que ce soit avec elle de neuf ou qui vous voulez, je ne l'ai jamais lâché. J'étais brun au début de tournage, j'étais grisonnant à la sortie, mais je l'ai eu. On a compris qu'elle allait niquer, qu'on n'allait jamais s'en sortir et qu'on allait avoir une semaine de dépassement, ce qui n'était pas possible. Donc avec mon directeur de prod, sans même le producteur, parce qu'il était âgé, il avait tellement peur d'elle qu'il venait jamais, Jean-François Lecoq. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on a décidé de mettre un huissier sur le plateau. Tu tournes, Anne, t'es payée. Tu tournes pas, c'est une rupture de contrat. T'auras pas la suite de ce qui était prévu contractuellement. Mais là, c'est radical pour son appartement qu'il voulait refaire et en plus. On a tourné jusqu'à la fin. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes. En tout cas, merci beaucoup de votre temps. J'étais très heureux de vous avoir. C'était un vrai privilège. Merci. C'est bien, déjà, de toute façon, de voir que ça a dépassé les générations. C'est cadeau de voir que des gamins d'aujourd'hui, des ados ou des jeunes gens, garçons ou filles, dans les premières avant-premières qu'on a faites, c'est un vrai cadeau de voir que les émotions et les scènes de comédie fonctionnent toujours autant sur des générations qui n'étaient pas nées, quoi. Ça, c'est vraiment formidable. Ah, pourvu que ça continue. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je suis comme ça. C'est ça, non, non.